En fait, là, bon, là, il me semble que si je devais faire le lien entre anarchisme et punk rock, je pourrais éventuellement tenter un truc très très acrobatique en disant la musique elle-même est anarchiste. Ça serait quand même compliqué. Mais parce que comment est-ce qu'on peut associer absolument comme ça un type de musique à, bon. Alors, après, la première, une autre façon de le dire qui serait beaucoup moins acrobatique et beaucoup plus attendue, c'est que évidemment, entre le punk et l'anarchisme, il y a eu un compagnonnage énorme. Il y a beaucoup de groupes qui ont proclamé, qui se sont proclamés anarchistes, qui ont produit une iconographie anarchiste. Il y a eu un mouvement qui existe encore, qui s'appelle l'anarcho-punk, qui a été très important, notamment dans les années 80 autour de Crass, tout ça. Et puis après, il y avait d'autres groupes. Ok, donc là, ça serait la réponse attendue. Moi, ce qui, alors, je ne sais pas si c'est ça que je voulais dire ce jour-là à Thinkerview, mais non. En tout cas, le milieu du punk rock, en tout cas le dispositif punk rock, tel qu'il peut s'incarner, par exemple, dans un pays comme la France, bah, c'est quoi? C'est des associations, alors évidemment, c'est le do-it-yourself, quoi. C'est des associations qui se bougent le cul pour pouvoir elles-mêmes organiser un concert, alors parce qu'il n'y a aucun pouvoir public qui leur permet de le faire. C'est, donc il y a tout un maillage comme ça qui est une espèce de laboratoire effectif de l'autonomie. Et comme l'autonomie, c'est le cœur de l'anarchisme. Quoi. C'est vraiment, si on voulait résumer l'anarchisme à quelque chose, ça serait essayer de se donner les moyens collectifs de son autonomie, c'est-à-dire de sa moindre dépendance à tout un tas de choses qu'on trouve dégueulasses. Quoi. Et avec lequel on n'a pas envie de composer d'aucune manière. Donc là, effectivement, après, ça serait vrai aussi de probablement d'autres musiques contestataires. Je veux dire, les rappeurs aussi ont dû s'organiser, surtout au début, quand le rap n'était pas encore devenu mainstream, en tout cas une musique extrêmement écoutée mondialement. Dans les années 80, il fallait qu'ils s'organisent. Quoi. Donc c'était l'auto-organisation. Moi, c'est vrai que mes premiers contacts avec, je dirais, l'anarchisme effectif, c'est avec le punk rock. Parce que sinon, moi, c'était un peu théorique. Moi, dans ma chambre, quand j'avais 16 ans, ouais, j'avais vaguement lu 2-3 trucs. Je voyais bien que la thématique anarchiste m'intéressait. Mais je l'éprouvais pas. Je n'étais pas militant. La première fois que je l'ai éprouvé, c'est vraiment dans le milieu punk rock.